Bonjour, donc bienvenue à PyCon 2014 à Montréal. On va parler, ben, pas de PyCon sur le coup, on va parler de Firefox OS. Oui, c'est une bonne chose parce que je suis vraiment pas Python. Donc tu travailles en fait sur l'équipe Mozilla aujourd'hui à Montréal, c'est ça? Oui, donc ce qui est bien avec Mozilla, c'est qu'on est distribué un peu partout. Donc moi, mon rôle, c'est d'évangéliste. D'accord. Donc c'est vraiment de parler de Firefox OS, parler de technologie web, faire la promotion de cette technologie-là avec les développeurs, mais aussi être là pour les aider. Où vous en êtes par rapport à Firefox OS? Ben, Firefox OS, pour ceux qui ne savent pas, c'est un système d'exploitation que Mozilla, donc les gens derrière Firefox, ont décidé de créer. Le but était toujours de tourner autour de la mission de Mozilla, qui est d'ouvrir le web, de donner accès au web à plus de gens possible. Donc, c'est un OS qui est basé sur HTML, CSS, JavaScript, donc les technologies web. C'est une plateforme qui est ouverte. Donc, chez Mozilla, on ne fait pas de matériel. On travaille que sur l'OS, que sur la partie logicielle. Mais on travaille avec des partenaires pour offrir ce téléphone-là. Donc, vraiment, le but premier, c'est de donner un téléphone aux gens dans les pays émergents ou donner une alternative à ceux qui utilisaient des feature phones, donc de leur donner un smartphone qui n'est pas très coûteux, mais qui fonctionne bien, qui a des applications, qui a un marketplace comme les autres téléphones. Donc, ça, on a lancé il y a un an, un peu moins d'un an, et on est présentement dans plus de 15 ou 16 marchés, surtout, comme je disais, les pays émergents, beaucoup en Europe, et on a plus de 5 téléphones qui sont déjà disponibles. Donc aujourd'hui, c'est quoi le principe? C'est qu'on va développer un applicatif en mode comme on fait aujourd'hui via un navigateur. Et en fait, on va le déployer vers un téléphone. Ça marche comme quoi? C'est une sorte de super navigateur, téléphone? Oui, j'aime beaucoup l'analogie. C'est une sorte de super navigateur parce que le but de Mozilla, c'est pas de faire quelque chose de propriétaire. On est vraiment ouvert, on est dans l'open source. Donc, il y avait deux idées derrière ça. C'est de, un, utiliser les technologies que les gens connaissent. Donc, pas besoin d'apprendre un nouveau SDK, pas besoin d'être obligé d'utiliser certains IDE. Vous êtes un développeur web, vous connaissez HTML, CSS, JavaScript. Donc, pourquoi ne pas utiliser ces technologies-là? Et on voulait aider HTML5 aussi à se rendre à un autre niveau. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup d'avancées avec cette technologie-là, mais il y a encore des choses qui manquaient. Quand on parlait d'applications mobiles, on n'avait pas nécessairement tout ce qu'on avait besoin en tant que développeur pour donner une bonne expérience si on compare ça à des applications dites natives. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'il y a deux choix pour les développeurs. Soit on prend seulement une application qui fonctionne dans les navigateurs, n'importe quel navigateur, et on en fait une application pour Firefox OS, donc ça roule dans la plateforme, ou on peut utiliser ce qu'on a rajouté, donc des nouveaux API, ce Web API qu'on appelle, qui sont des API qu'on utilise encore JavaScript, HTML, qui vont nous permettre d'accéder à différentes parties du téléphone, différentes parties du hardware qu'on ne pouvait pas accéder avec HTML, CSS, JavaScript. Donc, il y a moyen de faire une expérience un peu plus intégrée dans le téléphone en utilisant ces API-là. Mais encore là, comme je disais, le but, c'est pas de créer quelque chose de propriétaire. Donc, on travaille avec le W3C, on travaille avec les Standard Body pour être sûr que certains de ces API-là vont se rendre dans les standards. Parce qu'on veut pas que les gens créent des applications que pour Firefox OS. On veut que ça devienne et que ce soit des applications web. Oui, parce que moi, je me souviens très bien des 50 Mozilla. Et on était déjà sur la partie, on poussait le HTML, on travaillait sur les rich media, les contenus. Bon, il y a beaucoup de choses encore à faire, notamment sur la partie rich media, mais j'allais dire là, on est plus dans le problématique web. Par contre, il y a un deuxième élément qui est assez important aujourd'hui, c'est tout ce qui va être hardware. On sait que sur le téléphone portable, le hardware, et notamment le open hardware, c'est vraiment un enjeu qui est important. Il y a les problématiques des modems, des choses comme ça. La FSF a libéré, il n'y a pas très longtemps, ses premiers laptops, et en disant, voilà, on peut dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas de backdoor, il n'y a pas de logiciel propriétaire. C'est quoi l'enjeu pour vous par rapport à ça? Mais c'est sûr que ce n'est pas évident parce qu'on ne travaille pas du côté hardware de notre côté. Nous autres, c'est vraiment l'aspect logiciel. Donc, on travaille avec des partenaires qui, eux autres, ont leur façon de faire, ont déjà d'autres partenaires. Donc, c'est sûr qu'on promouvoit tout ce qui est ouvert le plus possible. Ce qu'on veut s'assurer, c'est que quand les téléphones sont dits Firefox OS, donc les partenaires ont travaillé avec nous pour être capables d'utiliser ce nom-là. Donc, l'OS est disponible partout. N'importe qui pourrait l'utiliser. Mais si on veut utiliser le nom Firefox OS, il faut travailler en collaboration avec Mozilla. Donc, on s'assure au minimum que les gens aient une bonne expérience, que ça soit rapide, que ça soit fonctionnel. Donc, nous autres, c'est la priorité quand on parle de ces téléphones-là. Et présentement, comme c'est les pays émergents surtout, c'est des téléphones d'entrée de gamme. Donc, c'est des téléphones qu'on peut avoir pour 100 $, pas de contrat, ni aucun engagement, 100 $, le prix complet du téléphone, et ça roule Firefox OS. Comment ça marche? Par exemple, aujourd'hui, on va prendre un iMachin chose ou alors un Android, GNU Linux. Mais en gros, aujourd'hui, on va devoir se plugger via une interface type, si c'est un Android, y a Google qui va forcer un peu à créer un compte Google. Quand on va être sur iPhone, on va créer un compte propre. Comment ça va marcher sur Firefox OS? On n'a pas cette identification, cette relation par rapport à un compte mail qui, ça marche comment aujourd'hui? Il y a un marketplace parce que quand on pense au niveau utilisateur, les utilisateurs, leur premier
réflexes, c'est j'ai un téléphone, je vais dans le marketplace, je vais essayer d'installer des applications, chercher des applications que j'ai besoin au jour le jour, que je pense avoir de besoin. Donc, c'est le premier réflexe des utilisateurs. Par contre, au niveau développeur, ce qu'on a fait de Mozilla, c'est qu'on a dit oui, on va s'occuper d'un marketplace, on va en mettre un en place, il va y avoir une possibilité aux gens de déployer leur application, mais il n'y a aucune obligation. C'est-à-dire, je suis un développeur, je n'ai pas besoin de payer des frais pour développer pour la plateforme. Si je veux mon application, je peux la mettre sur le marketplace, qu'on suggère fortement parce que c'est le premier endroit que les gens vont chercher, mais je peux tout simplement juste le mettre sur mon site web avec un bouton d'installation. Quand les gens vont accéder avec une device Firefox OS, ils vont être capables d'installer, ou je peux partir mon propre marketplace. Donc, on n'a pas cette restriction-là. Tu parlais de courriel d'association. C'est sûr que là, quand on arrive avec le marketplace, si on veut installer des applications, on peut créer un compte sur le marketplace. Ça utilise Persona. Persona, oui, voilà, j'allais dire. D'accord. On va être capable d'installer des applications. Ça va nous suivre d'une plateforme, d'un téléphone à un autre ou d'un autre device à un autre. Ou alors de ça, mais en navigateur vers. Exactement. Il n'y a pas de restriction. Il n'y a pas de. Autant au niveau utilisateur et encore moins au niveau développeur. Parce que le but, c'était de garder la plateforme, mais tout l'écosystème de la plateforme le plus ouvert possible. Et j'allais dire aussi, ben là je fais du prosélytisme, mais j'allais dire aussi que l'avantage c'est qu'on sait que ces données-là, c'est la fondation Mozilla et c'est pas obligatoirement une entreprise. Dans le fond, c'est qu'il n'y a aucune donnée qu'on garde ou qui sont stockées à quelque part, tout est sur le téléphone. Et sur le but, la seule information qui pourrait se retrouver à quelque part, c'est quelle application qui a été installée. Mais les données des applications, ces choses-là, ça dépend de chaque application, comment le développeur a construit. Mais Mozilla ne garde aucune donnée à aucun moment dans le processus. Très bien. Pour conclure, où trouve-t-on des informations sur Firefox OS? Est-ce qu'aujourd'hui, moi, je peux l'installer sur tout? Ou alors, est-ce qu'il y a peut-être un endroit où je peux l'acheter déjà? Oui, ça dépend où vous habitez. Donc, on a lancé dans plusieurs pays comme Venezuela, Mexique, la Hongrie, la Grèce. Donc, dans ces endroits-là où on a déjà lancé le téléphone, c'est beaucoup plus facile d'acheter le téléphone. Présentement en ligne, si vous êtes en Amérique du Nord, donc les gens qui sont à PyCon présentement à Montréal, vous pouvez aller sur le site eBay de ZTE. Donc, c'est des téléphones qui sont neufs, c'est juste qu'ils utilisent eBay comme plateforme de vente. Et vous pouvez acheter le ZTE Open. Donc, d'accord. Ça, c'est une façon. Vous pouvez aller faire un tour sur le Axe Blog. Vous cherchez Mozilla Axe Blog, qui est notre blog technique, et on a des programmes pour les développeurs. Donc, pour certains types de développeurs, si vous êtes accepté dans le programme, on vous donne un téléphone et vous pouvez, après ça, développer une application et tester sur une application réelle. Donc, c'est surtout ces endroits-là, présentement, pour avoir accès au téléphone. Ben, merci beaucoup, Fred, et à bientôt sur PyCon.